Frérot, tu sais comment s'embrouiller, hein? T'as intérêt à bien jouer, hein? Parce que là, mec, c'est un jeu d'organisation et d'intelligence. Donc tout ce que Pourquoi tu n'es mes parents pas. et mes cuistots, genre, t'inquiète. Tout ce que tu n'es pas. Mes cuistots de père en fils. Tiens, je t'ai envoyé. Vas-y, attends. Tu joues à la manette? Ouais, je branche ma manette là. Putain, merde, j'ai invité Google avant de vous mettre le jeu de chat, désolé. Voilà, chat. Ouais, alors, merci, ouais, 34 mois, merci. T'as remercié Seb un peu ou pas? Ansel Mep, 36 Merci mois. à tous ceux qui sont ceux, bah voilà. Roman, 33 mois, merci. Takaya, 51 mois, merci mes bébés. Merci, Je vous dis, les merci à gars, la mettre vie. de l'eau chaude sur les boutons de moustique, c'est extasio. J'arrive pas à le décrire, les gars. C'est vraiment, c'est incroyable. Mais C'est c'est vraiment addictif, incroyable. ça. En fait, t'as pas envie de t'arrêter quand tu fais ça. Ok, vas-y, appuie sur A. Ah, merci. Comment je bouge? New Oh le chef. bouffon! Eh, Oh bouge le ta souris bouffon! là! Bouge ta souris là! Moi? Ouais, ta souris là! Bouge-la d'ici! Casse-toi, toi! Bouge la souris! Ok, attends. Appuyez pour prendre tout en regardant la boîte de poisson. Prendre du poisson. Comment je prends? Qu'est-ce que tu fais là? P pour prendre! Non mais attends, ils ont pété un câble! Ok, c'est bon, t'as les contrôles toi ou pas? T'appuies sur échappe pour avoir les contrôles. Placer le poisson. Tu vois là? Et tu peux les changer si tu veux. Tu veux changer là, le prendre? J'ai pas une manette Xbox. Bah, ah, c'est le X, connard! Et X, c'est quoi du coup? X, c'est le carré, je crois. Ok, bon. Bon, c'est bon, c'est bon, ça change rien. Là, t'as ping, là, tu ping. Ok, et là, faut le mettre sur la cuisson, t'as vu? Bon, il n'y a pas besoin de poêle dans le jeu, donc déjà, c'est pas mal. Combiner le poisson avec une assiette. Eh hey, mec, mec! Non! Tiens. Fais du tuto! Fais du tuto, fais la même chose que moi, voilà! Fais la même chose que moi! Parce que mec, on le fait ensemble, on le fait ensemble, mec! Là? Une fois que les clients sont prêts, son repas. Lis à voix haute, on n'entend pas! Une fois qu'un client est arrivé et a choisi son repas, interagissez pour prendre sa commande. Ok, donc il voulait un poisson. Hey, tu seras au fourneau, hein. Moi je te fous au fourneau, moi je m'occupe des clients mec, parce que tu sais pas parler français. Quoi? Je parle Tu mieux fais que la toi. vaisselle, tu fais la cuisine, moi je m'occupe des clients. Vous pouvez également préparer des accompagnements. Prenez une pompe, une pomme de. Ah, c'est la pomme Une de terre. pompe de terre, vas-y. J'ai cru qu'il y avait écrit pompe. Je Là, sais t'as vu, j'ai pas. cuit la pomme de terre et clac, je la mets dans l'assiette. Mais personne fait cuire comme ça une pomme de terre. Mets la pomme de terre avec le poisson, mets la pomme de terre avec le poisson. Comment on Mais court t'es là? con quoi? Attends, j'essaye mes touches. Fais la vaisselle, fais la vaisselle. Pouvez également préparer des accompagnements. Prenez une pomme de terre. Oh, attends, t'as raison. Et commencez. Attends, prenez une pomme de terre pour commencer. À préparer un accompagnement de frites. Placez la pomme de terre sur le comptoir et appuyez sur F pour la couper. Putain, on n'a rien écouté, mec. Vire-moi l'assiette, vire-moi l'assiette. Barquette de frites. Intelligence. Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Il veut un poisson. Oh merde, vas-y, je lui offre des pommes de terre avec. Voilà, connard. Alors. Les clients s'assureront pas à une table qui n'est pas desservie. Dessert, Google! Hey, lave! C'est Lave sale là. l'assiette! Ramasse C'est sale là. ça! Donne l'assiette. Pousse-toi, toi. Les groupes s'attendent à ce que tous leurs repas arrivent ensemble quand ils sont prêts. Prenez leurs commandes. Prépare-toi, ok, Google. Jette-moi tout ce bordel là. Et ok, c'est parti! Je vais prendre. Hey! Deux Double poissons, s'il te poisson. plaît, Google, deux poissons. Je te prépare les assiettes. Clac, clac. Ça, tu me balances.
Voilà. Deux poissons. Vas-y, viens servir ça. Vas-y, ça part. Bâton. Headshot. Voilà. Ils ont bien aimé. Ce sera 5 subs, s'il vous plaît. Votre objectif est de survivre le plus de jours possible. Si la patience... C'est un battle royale, mec. Si la patience d'un seul client s'épuise, vous aurez perdu. T'es sérieux, là? Oh, donc si on perd, on recommence de zéro, genre. C'est un Doomkeeper, mais cuisine. Si une jauge de patience... Accélère. Poisson. Je te prépare l'assiette. Non, mais là, c'est scripté, on va perdre. Mais le poisson. Oh là, on l'a déchiré, mec. On était supposé perdre, on l'a déchiré, mec. Accélère, je m'occupe de la vaisselle. Fais la cuisine. Certaines recettes donnent plusieurs portions. Mais t'as vu que t'avais une poêle ici, là? C'est chiant. Prends des pommes de terre. Et tu mets les pommes de terre là-dedans. Tiens, essaie de mettre les pommes de terre coupées, là. Mais non, je vais pas mettre l'assiette. Bah, casse-toi, là. Putain. Certaines recettes donnent plusieurs portions. Attends, mais la poêle, c'est cheaté. Écoute, lis le truc. Pour prendre une portion de purée de pommes de terre, maintenez interagir. Ah merde, on est con. Y'a le feu. T'inquiète, je gère. Certains appareils peuvent provoquer des incendies. Maintenant, l'interaction pour éteindre le feu en F. Ah ok, t'as pas l'extincteur, donc déjà c'est mieux. Après chaque journée, vous pourrez acheter de nouveaux appareils et réorganiser votre restaurant. T'as vu ça, mec? Attends, qu'est-ce que t'as foutu là ici, frérot? Dégage-moi les frites, dégage-moi ça. Tu sais que les plateaux de travail, mec, faut faire très attention aux plateaux de travail. Okay. Attends. Tous les quelques jours, vous monterez également... Vas-y. Tous les quelques jours, vous monterez également d'un niveau. Votre objectif est de passer autant de niveaux que possible. Oh waouh, je l'ai trop bien. N'oubliez pas que perdre fait partie du jeu. Chaque fois que vous jouez, vous aurez de nouvelles options. Mec, c'est un Vampire Survivor. Félicitations, vous êtes prêt à ouvrir votre premier restaurant. C'est parti, j'ouvre mon restaurant avec Google. Mais c'est un Battle Royale, mec. T'as vu ça? C'est un Squid Game. Mais frérot, là, on est dans le bus. On va sauter de le bus, là. Mec, attends, il y a les recettes, là. On peut apprendre des recettes. Mais frérot, c'est quoi ce délire, là? Une fois pour saignant. Eh, regarde. Faites cuire le steak une fois pour saignant, deux fois pour appoint et trois fois pour bien cuire. T'as vu? Mais attends, mais c'est quoi, ça? C'est un Battle Royale ou quoi, là? Complétez 15 jours pour débloquer. Les chats, ils demandent des steaks, là. Les chats, ils demandent des steaks, mec. T'es malade. Il y en a un qui demande un steak normal. Cuit le steak, vite. Attends, il en demande un jaune. Elle est comment? Ok, là il est. Il jaune. Demande des assiettes, c'est trop du cul ou quoi là? Ramène ça au chat de gauche. Mais il demande pas d'assiette, je crois, mec. Si, il demande. Ramène ça au chat de gauche. Mais ramène pas un steak cru. J'arrive pas. Tu peux pas échanger, tu dois aller lâcher l'assiette. Mais pourquoi tu me blindes d'assiettes? Vas-y, ramène les assiettes. Vas-y. Okay. Beau gosse. Je savais pas que les chats ils mangeaient dans des assiettes, mec. Putain de demeurer là. Mais ça, c'est... Là, nettoie. Ça va les attraper, les chats. Ils frérot, mec, ils font quoi ces chats là? Ils sont en train de donner de l'XP. Tiens, fais la vaisselle, bouffon. Ah, attends. Non, ils se foutent de ma gueule là. C'est un tuto, frérot. Tu vois là, le truc save, c'est pour commencer. Non, mais ils se foutent de notre gueule, mec. C'est quoi le plan? Plan au sol. Mais attends, on peut jouer à 4, t'as vu? Non mais attends, là il y a une recette. Faire qu'un steak, une fois pour saignant, deux fois pour appoint. Ah, on l'a mal fait, mec. Tu l'as fait cuire deux fois déjà? Si, j'ai bien fait. Mec, viens cliquer là. Ah donc c'est un tuto, genre les chats de merde, c'est un tuto. Oui, c'est un tuto, genre c'est le star. Bon bah qu'ils aillent se faire enculer, hein. Viens cliquer là. Oh, y'a rien qui marche. Viens en bas. Compléter le ville. Plan. Ah, genre on est obligé de plan du sol. Ok, et le menu ça sera steak, vu que c'est les seuls trucs qu'on a. Attends, j'ai pas regardé le plan du sol, attends, bouge pas. C'est les deux mêmes. Non, c'est pas du tout les deux mêmes, mec. Ah si, moi je serais vers celui de gauche, hein. On a plus de place, mec. En plus, il y a une porte qui relie les deux salles en haut. Chat, gauche ou droite?
En fait, c'est soit façon fast-food, c'est soit on a une cuisine et devant il y a le comptoir. Moi, je dis gauche, hein. Tout le monde dit droite, mec. Hein. Frérot, droite, il y a une petite salle en bas. Genre, si elle nous est utile, on va falloir. Mais c'est les chiottes, c'est les chiottes. Mais pourquoi. Prends droite, avoir... prends droite, prends droite, prends droite, je rigole pas. Mais pourquoi à Casse-toi. Gauche les deux faces sont liées. Mais sale con. Vas-y, viens, c'est là. Restez ici pour commencer. Okay. J'ai peur, mec. J'ai peur, c'est un putain de Battle Royale. Il y a deux, il faut servir. Ok, et mec, lis. Faites cuire les steaks une fois. Ouais, ça, ouais. Astuce, les recettes peuvent être affichées à tout le monde dans le menu. Vas-y, c'est bon, là. Merci, on nous connaît, merci. Oh, on est mort. Voilà, actionne, mec, va en cuisine, vite. Attends, on commence pas la journée, d'abord prépare. Attends, what the fuck, je peux tout bouger. J'ai le frigo là en vrai. Hein. Attends, mais ça n'a rien à foutre dans la cuisine, mec. C'est des ouf. Quoi, ça on en a besoin, ça. J'en sais rien, frérot, attends, bouge pas. C'est pour voir les recettes, je crois, mais t'es un malade. On a de la place ici. Vas-y, pose ça. On met la poubelle, je vais mettre. Non, laisse-la. Ah non, ouais, non, tu veux pas misclick? Ouais, je peux. Non, mais le trajet de la poubelle, mec, imagine tu fail. Le trajet de la poubelle, il vénère. Faut juste pas fail, mec. Mec, je mets les assiettes à côté, voilà. Non, j'ai une bête idée. Frérot, bouge pas. J'ai une bête idée, regarde. Je t'enferme à droite. Regarde. Non, comme ça, moi, regarde, je fais tac. Et donne-moi l'évier. Oui, mais comment tu vas faire pour prendre les commandes à chaque fois? Regarde ça. Reste enfermé à droite. Enferme-toi à droite. Donc regarde. C'est un mauvais plan. Non, ça c'est pas bon ça. C'est comme ça. Attends. Clac. Okay, regarde ça. Mec, je te jure, je suis. J'ai inventé McDonald's. Ok, attends. Fais-moi confiance. Arrête de toucher. Je mets le frigo à côté, genre là, comme ça. Comment je le tourne? Mais t'es trop bête. Ok. Non, attends. Les assiettes, il faut qu'on ait tous les deux accès, regarde. Là, on a tous les deux accès, mec. C'est magnifique là. Et tu veux une plaque de cuisson chacun? Attends, mets-le comme ça. Essaye de prendre un steak. Attends, ah oui, ok, j'ai comme sur Overcooked, regarde. Qu'est-ce que tu nous fais là? Frérot, regarde. En gros, moi je cuisine là, je fais mon bail là, et ensuite je le drop là, et toi de l'autre côté tu le prends et tu vas direct à la salle. Genre. Exactement. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Non, c'est moi j'ai sorti. Si. Non. Ok, le frigo comme ça c'est bon non? Ouais, mais du coup, il est kéblo, hein, le frigo. Moi, le frigo, je le mettrais là. Hein. Je sais pas pourquoi tu veux un. Mais tu la mettrais où cette table? Mais là, en vrai. Là, attends, regarde. Là, c'est nickel. Mec, mets le lavabo là. Mais c'est pas toi qui va faire la vaisselle. C'est moi qui l'a fait la vaisselle. Ok. C'est pas symétrique, ça m'énerve. On s'en bat les couilles, on va améliorer le resto après, mec. Là ça! Pourquoi tu veux un petit établi à droite là? Je comprends pas en fait. Symétrique. Voilà. Tu me casses les couilles. Pousse-toi. Mais mets pas les assiettes là! Si, regarde! Clac! Non, ici. Mec, chacun son taf, ok? Laisse-moi faire mon taf. Les assiettes, c'est moi qui les prends. T'as même pas besoin de les ranger, tu peux les laisser là sur la table. C'est moi! C'est moi! Mais les là, les assiettes là! C'est moi qui gère les assiettes, regarde. Je prends l'assiette, je la mets là, boum, j'attends, tu m'envoies l'assiette. Frérot, on va avoir 4 clients, on va avoir 8 clients. Si on est mal organisé, ta grand-mère, on meurt en rang 1. En vrai, tu le mets entre les deux, c'est mieux. Entre les deux. Comme ça, ouais. Ouais, là, t'es bien, c'est bon! Moi ça me va là. Non frérot, je vais misclick comme ça à chaque fois. Moi ça me va. Mais moi ça me va pas là, c'est mon côté. Je sais que je vais misclick à chaque fois là, c'est tout à l'heure. Mais quel noob mec, t'as craint de job. Ferme-la, c'est bon, je suis prêt. T'as vu, il y a un mode entraînement au cas où si on a trop peur, mais on n'a pas peur. On peut changer les tables des clients. Eh, la poubelle elle me bloque là. Eh frérot, la table des clients est nickel. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je crois qu'on peut changer. Eh, là aussi, là ça bloque. Quoi ça sert ça? Oh putain mec, je les rapproche de moi comme ça. Attends, là il y en a que 3. Clac, 4 et 4, regarde. C'est méga opti mec. Short pas! Ouais mais la porte elle est lente.
C'est vrai qu'il faudrait changer cette putain de porte, hein. T'as vu, genre là, quand tu passes. Pas bouger la porte. Oh, viens, on la bloque avec la poubelle, mec. Giga Chad. Non, mais ça va. Attends, tu l'as rendu invisible. Vas-y, non. Vas-y, attends. Bloque là. Avance. Vas-y, mets la poubelle ailleurs là. Dégage. Jamais là. Frérot, la poubelle, si j'ai pas accès, ça va être un enfer. Je te le dis la vérité, hein. Mec, tu dois faire le tour comme ça. En fait, si tu le mets là, moi je dois descendre par en bas. Au cas où si je dois descendre, je dois faire genre ça comme ça. Non, pourquoi tirer là-bas? T'es enfermé là-bas. Tiens, la poubelle, on va la mettre. Non, T'es enfermé. Si t'es enfermé, tu bouges pas de là-bas. Ok, t'es prêt? Si on meurt, t'es un mec, t'es responsable 100%. C'est toi la responsable, c'est toi le serveur. Appuie sur Y, frérot. C'est triangle. J'ai la pression, mec! On ouvre notre restaurant avec Google. Qu'est-ce que tu fais? Frérot, on a que steak. Tu crois ils vont te demander quoi? Je sais pas, mec. Des frites aussi, non? Attends, mec. Attends! T'as fait deux steaks! Demande. T'inquiète, demande. Un steak? Ok, vas-y, c'est bon, nickel. Les deux sont prêts? Ouais. Putain, c'est sale là! Qu'est-ce que tu fais? Mets des steaks à cuire, demeurez! 10 balles, mec, j'ai fait 10 balles. Cette porte de merde, elle me casse les couilles, mec. Je suis coincé. Ça demande saignant ou pas? J'en sais, attends. Va demander. Oh, putain de merde. Ah non, voilà, saignant, là. Je nettoie. Tu gères. Mec, je me fais tuer par la porte. Tu gères, frérot. Ok. Tu gères bien. Vas-y, j'envoie un. Ok. Ramène. Ouais, vas-y. Non. Demande en haut, là. Attends. On est en haut. Mets-toi. Pourquoi t'as arrêté la production? J'ai pas arrêté. Arrête pas la production, mec. Vas-y, y'a tout prêt, là. J'ai trop de trucs à faire, mec. Faut que tu m'aides. En vrai, ouais, non. Les assiettes, faut que tu gères. Parce que moi je dois faire du nettoyage, mec, c'est terrible. Ok, fais la vaisselle. Ouais, fais la vaisselle entre les trucs, ok. Un steak double cuit. C'est triple, donne pas des infos quand tu connais pas. Y'a triple cuit. Y'a que des assiettes sales. Ça existe triple cuit. Oui, j'ai lâché. Frérot, on est mort, mec. Va jamais. Eh mec, je me fais cuck par la porte. On se débrouille bien. Tapez 1 si on se débrouille bien. Tout le monde tape 1. Fais la vaisselle! Mec, j'ai laissé un saignant. Easy as! Putain, ouais, mais j'ai sué, mec, sa grand-mère. Regarde les newsletters là. 40 balles, mec. Attends, j'ai eu des newsletters. C'est quoi? Frérot? On s'est fait livrer des trucs. Attends! Mais non! T'as claqué tout mon pognon! Relancer les plans. Attends, j'ai un plan de quoi là? Table pour manger. Frérot, je savais pas. Tu sais, les heures, ça arrive. Assiette. Mec, putain, je te déteste. On va grind. On fait quoi de cette table? Mec, en vrai, viens. Protection de sol, un peu spongé à un prix raisonnable. Saleté n'en viendrait pas à bout. T'as acheté quoi là du coup? J'ai acheté une table. Ok, en vrai, elle m'est utile, hein. En vrai, elle m'est utile. Mais ouais, il y avait meilleur, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas toi qui cuisine. C'est moi le chef cuistot, là. On peut cuisiner, on peut survivre au deuxième jour. Allez, hop, les assiettes, c'est là maintenant. Mais t'es un malade, toi. Mec, plus d'assiettes, moins de vaisselle. Ça, c'est bien. Il nous faut le truc en haut, là. Les trucs en bas, on en a rien à foutre. Où c'est que t'as vu relancer? Ah oui, c'est 10 balles. Ouais. Ça, c'est cool aussi, mec. Attends, mais il est où le truc Ah, mais tu l'as foutu là-bas à demeurer, putain. Il est là. Je te dis que ça, ça sert à rien. Mais si, ça, je crois, c'est pour... Lâche non. T'as déjà fait ça, la table. C'est pour stocker les plans, sale chien. Tu bouges plus de là-bas. Ils vont disparaître, les plans. C'est pour ça que je vais les stocker. Ah bah non, ça sert à rien. Ah si, voilà, j'en étais sûr. Non, tu peux stocker qu'un plan à la fois. Mon père, il est dev. Je connais. Ta gueule. Frérot, c'est quoi ce plan de travail de merde, là?
On prend les assiettes ou le sol? Évier, ne pas tomber dans le tourbillon. On peut rien prendre, on a 19. Mais en vrai, prends l'assiette. Hein. Alors, attends. Parce que là, frérot, là, je suis très énervé. Je suis très, très énervé. Cette porte, elle me cuque, tu vois, tu comprends? J'ai besoin d'espace pour rentrer. Cette porte, elle me cuque, supram. La poubelle, il faut qu'elle soit genre là, on est bien. Ça, c'est pour desservir les assiettes. Donc, en fait, il faut vraiment que tu sois enfermé là-dedans. Je te mets la poubelle ici à l'arrière. Tu vois? Et comme ça, t'as de quoi faire pour les assiettes, là. Tu vois? Ok, mais mec, je peux pas sortir, là. Je suis en prison. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et tu vas faire quoi, de l'évier? Attends, pause. Regarde, moi, je peux interagir comme ça. Donc, en vrai, regarde, il y a un glitch. Genre, non. Là, je peux prendre non. Si. Et je pourrais, genre, interagir comme ça. Ok, deux secondes. Mais tu niques mon plan de travail là! Je m'en bats les couilles de ton plan de travail. Boum, boum, boum et boum. Regarde. Un geste. Google, t'es trop bête. Écoute ce que je te dis. Le geste, regarde. Il commence là, Google. Google, ça ne marchera pas ton glitch. Le geste, il commence là, regarde. Google, soit tu m'écoutes, soit j'arrête de jouer avec toi. Donc regarde, tu commences en bas, tu prends un steak. 1, 2. Là, t'es prêt à desservir les steaks, ok? Et ici, t'arrives ici. Comme ça, tu fais pas des allers-retours. T'arrives ici, les assiettes sont déjà prêtes. Et t'as soit à prendre les assiettes, soit à faire la vaisselle. Regarde. Ok. Mais moi, il faut que j'ai accès aux assiettes. Donc. Okay. J'ai tout compris. Non. Mais moi, je peux interagir comme ça, genre. Tu peux, genre, là, si t'as un bloc. Ça, c'est bien, milieu, ça, c'est bien. C'est bien, ça. Bah du coup genre je peux mettre le frigo là. Et genre tu mets les assiettes. Mais non là. Parce qu'après quand t'as fini de nettoyer une assiette tu la mets où? Bah je la mets là. Frérot je suis 10 fois là, plus intelligent que toi s'il te plaît, allez. Mais jure j'ai raison. Bon allez tu sais quoi vas-y viens fais ton truc. Et tu Mais moi je trouve que. Parce que c'est moi qui ai cuisiné. Et c'est bien comme ça genre Mais là, le problème, c'est que toi, tu peux pas laver. Ça va te méga cuck, frérot. Donc, c'est à l'arrière, on le met là, si tu veux. Mais ça va te méga cuck si on le laisse là, si on le laisse en bas. Et moi, mec, j'aurais pas accès à l'évier si jamais il y a une urgence. Bah ouais, mais c'est toi qui as mis l'évier là. Moi, j'ai jamais conseillé de mettre l'évier là. Tiens, je te mets là, tu le prends. Bon, vas-y, moi, je suis ready. Comme ça? Ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, mec. Je m'en bats les couilles. L'assiette là, mec. Ouais, c'est mieux. Mais ouais, mais c'est mieux. Utile, là. Mais frérot. Là, ouais, c'est mieux comme ça, ouais, c'est mieux. Et tiens, je te mets ça là, comme ça, tu peux. Attends. Je te mets ça là, comme ça, c'est la table d'urgence, non, ça. Non, mais là. T'as là. Déjà une table de merde ici, frérot, je sais même pas pourquoi. Mec, là, pas là-bas, genre, si tu veux la mettre comme ça, mets là, au pire. Hein? Hé! À l'aide! Attends, comme ça, genre. Mais en fait, t'as pas accès à ça, mec! Si, frérot, regarde! Tu n'as pas accès à ça! À quoi? La diagonale, mec! Si! C'est pas opti! Mais t'es malade, je me mets dans le coin, hop! Et là, je viens là comme ça. Putain, t'es un dégénéré, frérot, c'est infernal. T'es un malade! Mais je jure, c'est mieux! Tiens, allez hop, ça c'est bien. Voilà. Ok. Et l'évier, tu l'as mis. Ok. Vas-y, Meridi. On meurt là, hein. On meurt là, les gars. De réfléchir, bouffon. T'as trop cuit. T'as déjà jeté un steak? Non, mais c'est bon, frérot. Non, mais c'est hallucinant, mec. Mais on a le temps, frère. Regarde si t'as accès à la diagonale. Ouais, j'ai accès. Regarde. Prends la porte, mec. Va voir qu'est-ce qu'il y a. On a le temps.
Bien cuit, triple cuit. Ah, c'est mieux là. C'est mieux là. 5 balles, mais ça, Clodo, va dégage mon restaurant. D'où le steak, il est à 5 balles, mec, genre. Vas-y, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il demande. J'en sais rien, mais là, on est en train de les éclater, là. Double, ça, c'est double cuit. Ouais, vas-y. Attends, mais... Ah, là, Chisto. Putain, grand-mère, c'est gravissime. Ta gueule. C'est où les Yankees là? Quoi, c'est du marketing ou quoi là? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que tu veux, bouffon? Ah là, c'est bon. C'est bien là ce qu'on fait là, c'est très très bien là ce qu'on fait. Connard. Okay. Vas-y, ramène. Ah merde. Tu peux pas faire ça. On peut pas. Tu peux pas faire une erreur, tu peux pas. Ouais, ça... Tu peux pas faire cette erreur, tu peux pas, mec. Ça arrive, ça... Non, tu peux pas. Ça arrive. Tu peux pas, touche plus à rien. Tu touches plus aux manettes. Touche plus à la manette. Ne touche plus à la manette. Ne touche plus à la manette. Là, t'as une cuisine. Cuisinière, mec, en x1. Lâche, dégage. Je vois pas. Je vois pas. Tu fais carré pour voir. Genre, tu l'ouvres, mais tu l'ouvres pas complètement. Arrête! Mais t'es con ou quoi? Bureau de recherche! Oh! Ok. 40 balles. Hein. Assiette. Bof. Et ça, c'est quoi? Compteur de réceptoire. Réceptoire. Les clients, ils attendent. Ah, avant d'être assis, mec, c'est trop fort. Eh, hey, dégage, je vois plus rien sur mon écran, s'il te plaît. Les clients, ils attendent d'être assis. J'ai pris assiette, mec, vas-y, viens, je le dégage, lui, c'est bon. Sa mère, assiette. Attends. Si tu le poses, on l'a perdu. Non. C'est faire un si tu le poses. Non, tu fais carré dessus, complètement. Oh, putain. Stress. Ok, on prend le bureau de recherche, mec. Bureau de recherche. Interagir pour plus. Attends, ça sert à quoi? Évolutif. Quoi ça sert quand c'est évolutif? Bah évolutif, mec, ça veut dire qu'on peut l'améliorer, quoi. Ok, bon. Mec. On prend quoi? On a 40 balles. Tu sais que tu as déjà baisé la game, mec. On a 40 balles parce que déjà il a mis 40. Il a mis 40. T'as mis 20 balles tout à l'heure dans un putain de bureau, mec. Eco round et on met le comptoir. Putain, tu peux crier mon daron, parti. Mec, mets le comptoir. Casse-toi, je vois rien, s'il te plaît. Je vois rien. Le comptoir, on peut pas. Je mets le bureau de recherche et tu mets le comptoir dans le truc. T'es prêt? Mets-le dans le voilà. T'es prêt? Vas-y, mais il faut que tu le payes le bureau de recherche. Voilà. Pose le middle, en vrai, y a rien de toute façon. On le changera à round prochain. On changera round prochain. Mais je peux pas interagir avec elle maintenant? Non, c'est in-game. Ça veut dire qu'il faut que tu vas jusque là-bas à chaque fois. Mais mec, t'es pas obligé de le poser là-bas. C'est pas RP. Lâche. On le changera round prochain. Tu peux le mettre là. Écho le temps. Frérot, tu nous as acheté un bureau à 20 balles. Maintenant, mets-toi ready. Ok, est-ce que je peux mettre mon frigo là comme ça là. C'est toi qui t'organises comme tu veux maintenant que tu vois comment. Ok. Cuisinière, je vais la mettre à la poubelle. Tu peux pas, laisse-la là, elle va disparaître. Ok, attends.
Les plats sont à passer en bas, pas la peine d'aller à la cuisine. Qu'est-ce qu'il raconte lui? J'ai pas compris moi aussi. Vas-y. Il est con ou quoi lui? Attends. Attends. Frérot. Par le plat. Par le passe plat en bas. J'ai compris. Là tu peux passer les plats. Ici. Mais attends, je peux le faire tout seul ça. Ah attends, on change tout alors. Mets tes cuisiniers en bas, mets tes cuisiniers en bas mec. Ouais, attends, je te vire cette merde là. Putain, mais c'est galère. Non non, plus bas frérot, plus bas. Non mais faut que j'ai un peu d'espace là, genre là je fais ça. Non, mais colle-les en bas. Colle-les en bas mec. Ah genre là. Casse-toi toi putain. Okay. Mais t'es con quoi? Frérot genre ça. Mais mec je suis dans le coin comme ça. Mais non mec, pourquoi t'infliger un tel trajet quand littéralement tu peux faire là comme ça? Au contraire ça m'écho. Mais frérot t'as aucun sens de l'opti frérot. Voilà, clac. C'est quoi? Clac, 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 clac. Et là, boum. Et on met les assiettes là. Je bloque là, comme ça. Mec, je sais très bien comment je joue. Si tu veux que je me bloque... Je suis comme une merde. Laisse-moi me bloquer à ma façon si tu veux que je me bloque. Là... Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Regarde. Je t'enferme là, comme ça, clac. Non, mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. Remets l'évier. Mec, regarde. Hop, mets l'évier là. Où t'es là? Mais t'as pas accès. Mais si, ta mère, j'ai accès. C'est pas opti. Mais si, je suis dans le coin. Là, je mets les steaks comme ça et genre, je suis comme ça. Mais là, ces tables-là, elles sont mauvaises. Et du coup, genre ça, je le mets là. Dans ce cas-là, autant que moi, je le fasse en diagonale. Vu que moi, je le fais moins souvent que toi, mec. Toi, il te faut masse place. Tiens, prends ça. Il te faut masse place. Comme ça, tu prépares tes steaks à l'avance, c'est... Voilà, là je prends steak, cuir. Mais qu'est-ce que tu fous là, là? Mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Ah, moi je peux pas. En clavier souris, je peux pas. Tiens, là, clac. Non, il y a le comptoir là. Mais non, tu peux. T'as accès à la diagonale, toi. Ouais, mais. Là, c'est nickel, mec. Hein. Le comptoir, je sais pas si j'ai avec diagonale. Oh, mec, viens, on triche. Donne-moi un comptoir, je le mets à l'extérieur, j'en ai rien à foutre. Et comme ça, je mets les plats en avance extérieur, boum. Lâche-le. Mais tu peux les mettre là, sinon. Non, non, regarde. Tu me passes les plats, clac, je les mets là, tu vois. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Ok. Non, lui, j'aime bien quand il est là. Je peux te poser trois plats, là, du coup, comme ça. C'est le comptoir, vraiment, il y a... Mais là, attends, là, on est méga opti, là, frérot. T'as pas idée, là. Faut pas mettre de plan de travail, genre c'est pas la vraie vie, c'est un jeu. Là, comme ça, on économise le temps. Moi, je suis prêt là. Non, la poubelle, non, c'est mauvais délire. Mets-la à gauche du frigo là. Mec, là, on est trop bien là. Ok. Bon, moi, je suis prêt. Sauf pour laver les assiettes. Mais en fait, là, frérot, ça veut dire là quand je pose les assiettes. Attends, non, c'est pas bon. Attends, c'est pas bon. C'est pas bon là. Il faut absolument que je t'enferme. Ah. Ouais, genre ça. Et comment je fais la poubelle? Comme ça alors. Parce qu'en gros, en gros, genre imagine on a deux assiettes sales. Il y en a une encore dans l'évier, moi je la pose là, tu vois. Sinon si j'arrive avec une assiette sale comme un con, il y a nulle part où je peux la mettre. Sans faire ça, tu vois. Sinon tu poses au comptoir, ici, et moi je le prends là et je le mets là. Et ça se trouve on peut stacker les... On peut stocker les... Non. Si, c'est plus opti. Non, frérot, c'était très bien comme c'est ça. Plus opti. Bon, vas-y, je suis prêt, moi. C'est bon. Attends, je réfléchis. Non, c'est pas du tout plus opti, le mec dans le chat, putain merde. Si, en vrai, si. Le bourré, il est inutile, mais de toute façon, on n'en voulait pas. L'autre con, il a acheté 20 balles. Non, vas-y, moi, j'ai mis prêt. J'ai pas voulu. Je m'en branle. Oh, mets ça là. Tu nous as niqué la game. Mais du coup... Pourquoi? Parce que c'est mieux comme ça. Genre je serai dans le coin, genre je prends assiette direct comme ça, genre. Là les assiettes, je vais pas te les prendre. Allez, roule, mets prêt.
Si on meurt maintenant, mec. On peut plus mourir là, mec. J'ai trop le seum. Oh, deux clients, mec, on est mort. Oh, ils courent comme des zombies, frère. On prend la dalle. Vas-y. Double. Oh, mec, triple. Oh là là. Quand tu me gênes, tu me gênes. Qu'est-ce que tu fous là ? Je te gêne pas, je te gêne pas. Donne-moi ça, bouffon. Vas-y, prends. Mais tu l'as mal mis, hein, par contre. Eh, hey, l'assiette ! Pue sa mère, le comptoir, je peux pas le mettre. Ah, il pue sa mère, hein. Pousse-toi, gros con ! Encore triple. Encore un triple. Lave. Je peux pas. Comment ça, je peux pas, tu vois, je t'avais dit ça, le comptoir est serré. Vas-y. Casse-toi, connard. Il demande quoi en haut? Il me baise. Galère. Venez de moi la tête. Fils de pute. C'est pas bon ça. Ok, et fais un truc. Google, si t'arrêtes de faire des trucs, je vais te niquer. Mais tais-toi, nulos. Nulos. Tu en brûles pas une. Ferme-la. Cuisine. Putain mère. Tu mets des assiettes sales sur ton plan de travail. Tu putain mère. Ferme-la. Donne-moi les steaks. J'arrive comme un fils de pute devant le truc. Bon frérot, là on a du changement à faire là. Une étoile mec. Oh là là, let's go. Il y a du changement à faire. The great restaurant to receive better rewards. Touche à rien, je te jure sur ma vie. Touche à rien. 40 balles. 45. Appuie sur 1. Attends, touche à rien. Votre restaurant atteint un niveau supérieur. Choisissez une carte de mise à niveau pour gagner de meilleures récompenses. Les cartes actives peuvent être affichées à tout moment dans le menu pause. Ajoutez l'oignon et l'eau dans la casserole et faites bouillir pour faire un bouillon. Ajoutez le vin et laissez cuire. On est mort, mec. Hein. Versez sur le steak. Alors, soit on prend la sauce. Attends, je crois soit on prend la sauce, soit on prend plus de clients, mec. La sauce du chef. Oh, ta caméra, elle a pris. La sauce du chef. Tu veux prendre la sauce du chef? Ouais, moi je veux la sauce du chef. Enfin, genre la sauce. Oui, j'arrive, la cam, ça pue la merde, gars. La sauce d'oignon, genre. Faut mettre de table, de travail, sous le comptoir. Là, c'est les tables des clients. Les tables des clients, faut les mettre. Je bloque à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui fais tout. Vous m'entendez? Ouais. Allô? Tu m'entends? Ouais. Bon, t'entends. Ok. Si on prend la sauce du chef, on perd 15% de clients aussi, mec. Mec, pour utiliser le comptoir, faut qu'on mette deux tables devant. Viens, on prend juste plus de noobs. Et on farm un peu. Plus de joueurs? Plus de mecs. Moi, je vois rien. Les entrées sont temporairement désactivées pendant que l'ordinateur... Ok, c'est bon. Moi je dis on prend la sauce. Hein. Nique sa mère la sauce, mec. Après on peut prendre plus de gens. Mais regarde, on perd des clients quand on prend la sauce. Et par contre on prend plus de sous. Mais frérot, vote à droite! Je suis
suis à droite, moi, là. C'est moi, le vert. Faut que tu cliques à droite. Attends, je réfléchis, alors. Mec, préparez la sauce. On est mort, mec. Viens, on prend la... Ouais, viens. Ok, attends. On a des trucs à faire, là. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tant de feu. Extincteur, vas-y, ça part dehors, ça. Vas-y, fais voir ce qu'on a d'autre. Évier. Non, ça pue la merde. Ok. Planche. La planche, ça peut être utile, frérot. Mais c'est une table en plus, quoi. Tu peux hacher la viande, mec. J'ai envie de hacher. Mais frérot, on peut faire la même sur la table. Tu veux une cuisinière en plus, mec? En vrai, une cuisinière en plus, je pense que c'est OP, mec. Cuisinière en plus? Ouais. Non. Parce qu'on n'a pas tant de clients que ça. Moi, je dis, on éco-round pour ça, là. Mais attends. Comptoir de réception, mec. Attends, il faut que je... Eh, viens dans standard 3, s'il te plaît. Demeure, mais je t'emmerde. Eh, on t'emmerde. Y'a un mec qui nous a dit demeure, mec. Eh, frérot, j'ai une bête idée. De quoi? Viens, on achète l'évier. Parce que là, regarde, on peut pas faire évoluer cet évier. Parce qu'on l'a pas acheté, mec. Si on achète cet évier, vu qu'il est évolutif, ça se trouve, on peut avoir l'évoluer, mec. J'en sais rien, mon frérot, mais attends. On va voir ça tout de suite. On prend comptoir. Tu me lâches avec tes comptoirs. Tu me casses les couilles avec tes comptoirs. Tu veux un comptoir en plus? Non, mais t'as pété un câble, toi. Pourquoi tu mets la table là-bas? L'évier là-bas. T'es un baiser, frère. Pourquoi t'as sorti ça, là? Remets-le. Frérot, mets pas l'évier là-bas. Casse-toi! 2 secondes! Putain! Est-ce que je peux sauvegarder là? Sauvegarder? Non. Ça va retourner au QG. Bouge ton frigo, s'il te plaît. Ça en met. Troisième cuisinière, mec. Giga Chad. Mec, en vrai, la cuisinière. Si on la prend pour ça, on la met là. Et je mets mon frigo là. Mais t'es un. Oh. L'autre truc, il sert à quoi alors? Si, c'est bon, je te ramène. Je voulais tester un truc. T'as acheté un comptoir comme une merde? Vas-y, maintenant on teste. Mais t'es trop con. Vas-y. Attends. Vas-y, on n'achète pas la cuisinière, c'est bon, Neko. Eh, frérot, y'a un évier pour toi, un évier pour moi. Genre, c'est bon. Mec, en vrai, on va avoir plus de clients donc. Est-ce qu'il y a la table avec les assiettes? Oh, c'est bien ça, y'a la table, mec. Viens, on achète les assiettes, mec. Oui. Oh, mec, viens, on massive les assiettes. Massif. Ouais, mais moi, les assiettes, je les place pas tout le temps. Massif. Voilà, ouais. Voilà. Tu vois, il est meilleur. Et c'est pareil, l'évier que j'ai acheté, c'est lequel? Il est meilleur? Non, il y a rien. Si, regarde, ils sont de deux couleurs différentes. Le robinet, il est juste bleu. C'est celui-là que j'ai acheté? Ouais. Ok, bah robinet bleu, il est meilleur, mec. Mais du coup, la table aussi, elle est meilleure. Ouais, bah regarde, elle a deux tiroirs, alors que l'autre, elle a un tiroir. Ah ouais, c'est vrai. Frérot, et mec, quand tu me les passes là, en vrai, on va remettre le comptoir qui est au-dessus de toi, mets-le là. Mec, on peut faire... Voilà, c'est ça. Ça, c'est mieux, mec. Là, on est méga opti, mec. Juste les assiettes, il faudrait peut-être... Tu sais quoi? Oh, j'ai une bête idée, frérot. Oh, j'ai une idée magistrale, mec. Oh, j'ai une idée, elle est magistrale, frérot. Tu vas péter un câble. Pourquoi j'ai l'impression que t'es loin de ton micro, là? Ah bon? Ouais, quand tu parles, j'ai l'impression que t'es loin de ton micro. Vas-y, je m'en bats les couilles. Là, c'est mieux? Ouais, c'est bon. Regarde. Quand l'assiette est mauvaise, je la mets direct là. Boum. Je peux pas? Je peux pas là! Mais tu te bloques avec un comptoir alors. Mais tu peux, hein, faut juste. Tu
vas galérer à avoir l'axe comme ça là. Non, parce que je peux pas au clavier. Non, genre tu fais comme ça. Non, mais on va pas gaspiller un comptoir pour ça, frérot. Mais bah, moi aussi, je peux poser un truc sur le comptoir aussi. Genre là, comme ça, tac. Ah, putain. Et je me bloque avec l'évier là. Attends, j'ai branché une putain de manette, c'est-à-dire ? Je peux pas, il faut qu'on reset, vas-y, j'ai le seum. Mec, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Si, t'as accès, frérot. Vas-y, on va essayer, on va essayer. On va essayer, ok, j'ai accès. Et comme ça, boum, je te mets les assiettes sales. En fait, les assiettes sales, c'est le truc qui me fait perdre le plus de temps, moi, perso. Okay. Qu'est-ce que t'as foutu ça là-haut, là ? Parce que j'ai besoin des poubelles en priorité, comparé à l'autre levier. L'autre levier, puis sa mère, quoi. Genre là, tu nettoies l'assiette, tac, tac. Je le mets là, comme ça, direct, à sa place. Et si je rate un plat, je viens là, et hop. Mais le problème, c'est que là, il n'y a que 3 comptoirs. Et moi, je prépare les steaks à l'avance. Frérot, c'est bien, là. Vas-y, bah, ok, si c'est bien, ça... Moi, je te dis, la vaisselle, elle est trop loin de toi, mais vas-y, t'inquiète. Celui-là, il sert à rien, ici. Genre, pour moi, il serait déjà mille fois mieux, là, déjà. Non, non, frérot, j'ai besoin de sortir, mec. Pourquoi ? Parce que... Genre, ça peut être utile. Oh ! T'as vu ? Quoi ? Oh, mec, là. Là, c'est... Oh, mec ! Là, c'est nickel ! Non. T'as accès aussi ? T'as accès aussi ? Attends, mais t'as créé un comptoir. Oh, tu peux, genre, faire... Oh, waouh ! Ouah, j'ai créé un comptoir. Donne-moi ça. Voilà. Là, c'est... Mec, magistral. On a... Oh, mec, là, on est méga outil. Oh, encore mieux. Donne-moi les assiettes. Tiens, prends un comptoir en plus et donne-moi ces assiettes de merde, là. Voilà. Là, on est outil, bébé. Là, on est outil parce que je rentre plus jamais dans la cuisine, moi. Non, moi, je pense mettre une table là, c'est mieux. On est méga, méga outil, mec. Et mets une table là. Mets une table là. Ouais, mets une table là. Mets une table là. Mais là. La table. Mais là. Pour le gros comptoir alors là-bas. Mais. Pousse-toi, voilà. Non. Si. Voilà, mec. Là, on est méga supra chad, mec. Yeah. Parce que imagine, regarde, imagine t'es dans la merde. Moi, je peux venir t'aider. Boum, 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 là, tu vois. Mais là, on est méga tchad, mais prêt. Méga tchad. Ok. Bon, fais gaffe, on a plus de clients là, mec. Oh, mec, j'aime pas tes trucs comme ça là. Je te mets l'assiette. Ça. Oh mec, les crasseux! Enculé! C'est bon, on a le temps. Double seigneur. Giga Chad. Vas-y, prends. Giga Chad! Attends. Un big. Mec, giga chat. Comment ça me ralentit de fou. Quoi? Pourquoi qu'on a la file d'attente dehors là? Je m'en bats les couilles de la file d'attente, frérot. Putain, il casse les couilles par contre, on va prendre que des bigs. Hein. On a trop d'assiettes, on est d'accord. Qu'est-ce que ça fait? Ça, le patch. Genre en gros, ça me ralentit de fou. La saleté au sol et ça prend giga de temps. Ah ouais, ok. Ah merde, vraiment. Oh, on va mourir! Mec!
Qu'est-ce que... Donne-moi! Donne-moi demeurer! Donne-moi demeurer! On est mort, c'est fini. C'est fini, on est mort, on est mort. Reprends la scène. C'est fini, on est mort. On est mort, mec. Oh! Oh, le sauvetage! Je peux pas, c'est terrible. Ok, qu'est-ce qu'il demande d'en bas? On va mourir, on va... Oh, casse-toi, toi, connard! On a trop d'assiettes, frérot, on a trop d'assiettes. C'est bon, c'est bon. En fait, non, le fait que tu fasses la vaisselle, ça m'énerve. Ça m'énerve, frérot, ça m'énerve. Oh, en fait, regarde, j'ai trop d'assiettes, je peux même pas les ranger, mec. Oh, c'est le truc là, par terre qui me fait... 67 balles, mec. Vas-y, accepte, accepte, accepte. Frérot, tu sais qu'on est mort là, prochain round. Prochain round, on est mort. C'est horrible la saleté au sol. Horrible, frère. Ça me ralentit de fou, rien que pour tourner et tout. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Cuisinière. Brosse à récurer. Pour nettoyer le sol, frotter les assiettes. Trois fois plus vite! Essuie tout. Ouais mais mec, il faut la choper, il faut probablement la prendre, mec, tu sais, pour nettoyer. Et c'est chiant. Mais frérot, c'est utile de fou. C'est pas à quel point ça me prend du temps, genre... Non. En fait, le fait que tu nettoies les assiettes, ça me baise le cul, frérot. Ça me baise le cul, frérot. Donne-moi les bigs assiettes. On achète le big truc là, le comptoir. Mais t'as vu, le comptoir, mec, ça change rien parce qu'en fait, les clients, ils le font déjà chez eux. Tiens, ça, c'est tes assiettes d'urgence. Ok. Là, je pense qu'on est mort, mec. La brosse à récurer, si je trouve ça bien. Frérot, ça sert à quoi cette merde là? Mais c'est normal, tu l'as mis en dehors. On peut même pas le voir. Non, mets le temps. Mais non, mais je suis allé le voir en fait. Et je sais pas, c'est à quoi cette merde? Bah, faut interagir avec. Mais les mec, tu veux une autre cuisinière ou pas? Faut que l'autre cuisinière en cuisine. Une autre cuisinière ou... Ah, je dois mettre un plan dessus. Ah, ça sert probablement à améliorer un plan, mec. Ok, attends, t'as mis? Non. Si, t'as mis. Non, touche à rien. T'as mis une potion sur le truc, frérot. J'ai rien mis. Attends. Il est où l'évier? Il est où le bon évier là? C'est celui-là? Ouais. Et regarde! Ça met, quand c'est à côté du truc, ça met une potion! Oui, donc en fait, on en a deux du coup, on peut en mettre deux! On peut en stocker deux du coup! Vas-y, tu veux mettre quoi? Rien de... Frérot, je veux plus que tu fasses la vaisselle en fait, je pense. Mais mec, toi, solo, vaisselle. En fait, là, ce qu'il nous faut, c'est un comptoir, mec. Là, ce qu'il nous faut, c'est un comptoir. Tu veux la brosse? Ouais. Ouais, moi je pense que la brosse, ça peut m'aider. Même beaucoup. Vu que je me bloque, en fait. Hop. Mec, là, une cuisinière, genre là. Là, je mets une table. Et là, je mets le truc. Et là, je suis trop bien, là. Et du coup, là, je mets les trois steaks sans assiette, là. Et. Y a pas assez de place. Il faut plus de comptoir. En fait, il faut pas que ça prenne feu, mec. Ouais, si ça prend feu, je suis dans la merde. Tu veux la brosse? Ouais. En fait, soit comptoir, soit brosse, soit cuisinière. L'un des trois, en tout cas, j'en ai extrêmement besoin. Groupe attendu. Eh, regarde, en haut à gauche. Groupe attendu, 6 plus 2. Il y aura 7 clients. On est mort. Donc il y aura 3 tables. On est mort là. On peut relancer les plans en vrai. Je trouve que les plans ont plus amer. Renommer le restaurant. OMG. Pucci steak. Attends. Non. Proutoul steak. Goulprout & Co, j'aime bien. Proul steak. Nique ta race avec steak, mec. Goulprout & Co, mec.
Enko, c'est qui Co? Vas-y, tu connais pas Factory Enko là? Demeurez! Eh, on a 75 balles, si on les devance, on est mort. Mec, moi je sens que la saleté elle va me baiser la gueule, vraiment. Vas-y, j'achète la broche. En fait, faut que je mets genre. Steak là. Voilà. Genre là, il me faut. Frérot, achète une branche. Achète une cuisinière. J'ai acheté la brosse, hein. Ta cam, elle a freeze. Mec, non, mec vrai... attends, le jeu il est en train de buter mon PC, frérot, attends. Il faut que je bouffe les graphismes. Ah, les graphismes! Mais comment ce PC il baisse ton. Ce jeu il baisse ton PC, genre. Pas possible. C'est hallucinant. franchement, c'est hallucinant, mec. Hallucinant. Attends, mon micro va capter. Inverser les comptoirs d'assiette, donc en gros, comment? Moi, tiens, tu penses que c'est bien là. Tu vas pas les poser la viande sur la table. Non, mais la viande sur la table, je la pense genre quand je préchote. Tu sais, c'est ça quand je préchote. Donc, je sais pas en vrai. Je te dis quand je t'entends. Allô, c'est bon? Je t'entends, ouais. Ok, mec, ça, c'est pour nettoyer. Voilà. Tu veux acheter la cuisinière? Attends, je mets la poubelle là. Tu veux que j'achète là? Ok, et genre, je fais ça comme ça. La cuisinière? Vas-y, donne. Je fais ça alors. Attends, j'ai testé un truc. Non mais tu pourras pas la bouger. Si on peut, on peut. Vas-y, là tu fais tourner ça comme ça. Voilà. Tu peux pas passer, mec. Tu peux. En fait, le seul moyen de passer, c'est de faire tourner l'objet, mec. Et donc tu ne peux pas. Ouais. Attends là. Non, là tu peux. Ok, bah. Bon, c'est bon ça. Moi je suis prêt. Par contre, cette cuisinière elle est meilleure, t'as vu? Ces cuisinières là, elles puent sa mère. Genre, ils sont dégueulasses alors que celle-là elle est propre. On peut pas vendre, les gars? Mec, j'achète une nouvelle table à manger, t'es chaud? En fait, fais des plans de travail. T'achètes une nouvelle table à manger? T'es chaud, oh, comment? Une table à 6. Mais frérot, s'ils mangent pas ensemble, comment ça se passe alors? Parce qu'il y en a, ils mangent plus ensemble. Groupe attendu, 6 plus 2. Et c'est des groupes de 1 et 2, hein, donc en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. Donc en vrai, le fait que ce soit table de 4, on en a un peu rien à foutre, à vrai dire. Ouh, c'est bien ça. Non, tu vas te bloquer quand tu vas. Ouais, il va me bloquer ce bouffon. Mais là, un peu à gauche. Voilà. Ok, non, là, c'est bon. Quoique, non. C'est bien, c'est bon là. Ouais, juste les assiettes d'urgence, attends. Les assiettes d'urgence, on en a rien à foutre, mec. Mets-les là. Attends, laisse-moi les pisser, j'arrive. Laisse-moi les pisser. On est mort. Comment j'enlève des chaises? Ça sert à quoi d'enlever des chaises, les gars? Tu gagnes de la place, mais on en a rien à foutre de la place pour le moment, mec. On en a juste rien à foutre de la place. Pourquoi je ferais une table de 6 quand la taille des groupes... Taille de groupe, c'est entre 1 et 2. Les gars, on galère à deux tables. Je vais pas... Attends, mais il y a un truc qui fait bugger ma cam, là. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Cette fils de pute de cam de chez Elgato, mec. C'est pas la cam qui est chez Elgato, mais c'est... Qu'est-ce qui me casse les couilles, mec?
Putain, ils sont incapables de coder un truc correctement. Ok. Ils sont incapables, c'est demeuré, les gars. Encore un problème de cam. Frérot, c'est des connards, mec. Il sera remute, là, quand tu vas le régler. Bon, bah... En tout cas, n'hésitez pas à donner des subs. Au moins, il achètera une nouvelle cam. 60 FPS. Ah ah. Je vois plus rien. Ok. On t'entend pas. Go. Accélère, go, on y va. Ok. On va mourir. C'est le moment. Mec, on va vraiment mourir. Ok. Et mec, concentre-toi vraiment. Laisse-moi faire la vaisselle. Ok. Seigneur. Tu vois bien quand même, non? Vas-y, c'est prêt. Prends ton assiette. Oh putain, il me déchire! Oh mec, quand tu sers, il faut servir les deux, sinon tu vas te faire enculer. Hein. Oh! Et attends, lui, on va le faire patienter un petit peu là. Donne-moi un... Tu l'as balancé, putain. Un méga steak. Mec, là, il faut qu'on accélère. Deux méga steaks, s'il te plaît. Oh non, il faut pas qu'on meure maintenant. Méga steak, c'est prêt. Qu'est-ce qu'il demande? Ah! Arrête de stresser. Ok. Accélère, connard! T'as tout pris. Frérot, on va servir! Ça y est! Tais-toi! Comme on est limite là! On a gagné. Il me faut le deuxième ray? Prêt. Giga Chad. Putain, la poubelle, elle peut se remplir. Tu déconnes? Ouais. Je peux plus rien jeter là. De toute façon, mec, tu jettes trop. T'es un connard. T'as utilisé la brosse, c'est bien? Oh ouais. Putain, pour faire la vaisselle, c'est insane! Je peux la garder en main sans bouger. Mais attends! Pour faire la vaisselle, c'est insane! Ah ouais, c'est vrai que ça a augmenté la vitesse. Bah ouais! Chat, ça... Oh waouh, on a pris une étoile, mec. Votre restaurant a débloqué un nouveau thème. Les cartes actives peuvent être affichées à tout moment dans le menu pause. Yeah. Ok, est-ce que... On prend abordable, se concentre pour surservir les clients le plus rapidement possible. Parfois, il ne faut pas faire dans la finesse. Exclusif, se concentre sur contenter les clients avant même d'entrer dans le restaurant. Les gens sont prêts à faire la queue plus longtemps. Ah ouais, la queue plus longtemps, non? Plus longtemps, mec. La queue plus longtemps, mec. T'as pas vu comment on était short? Ouais. Ça a trois fois plus vite la vaisselle? Non, mais attends, il me la fout en fait, la brosse. Oh! C'est quoi ça? Plante. Quelle joyeuse plante. Patience plus 10. Oh! Mec, t'as vu? Ça augmente la patience des clients. Tapis rouge. C'est une décoration hautement inflammable. Dégage, connard, j'en veux pas de tes décorations. Fleurs rares, inutiles.
Casse-pointe là. Fleur rare. Attends mec, t'as vu, ça fait deux cristaux. Ouais, mais t'as vu ou pas? Non, on s'en fout pas mec. Deux cristaux, ça rend du prestige. Globe classique de cristaux. Banderole d'anniversaire. Zéro, c'est gratuit. Achète-le. Happy birthday to you. Nickel. Oh, 25 Sam Alexandra. Merci mon chéri. Sale-toi. Laisse-moi voir un petit peu ce qu'il y a là-bas là. Statue 3. Mais écoute, ouais, 100 balles, 100 balles. Et là, c'est fleurs rares aussi. Mec, moi, je dis, on prend la plante. Plus 10% de patience. Attends. Plus 10% de patience? Ouais. Vas-y, direct. Mais il fait 60 balles, après ça, on fait faillite. Non, mais attends. Fais voir. Tiens, il est là. Pourquoi t'as trois chaises là? Ah, parce qu'elle est à Happy Birthday. Okay. Je le mets à l'entrée de l'Happy Birthday. Ah, la statue, vas-y, ça dégage. De toute façon, on est mort. Hein. Ce jour, je crois qu'il faut qu'on crève, mec. Non. Si, il faut qu'on crève. Tiens, tu peux sortir cette merde aussi. Et dégage les ballons, ils nous bloquent la sortie. Frérot, on a rien eu de bien là en vrai. Mec, qui pue sa mère le Happy Birthday. Dégage les trucs là, s'il te plaît. Dégage-moi ces trucs. À part la plante rare là. Tapis 40 balles hautement inflammable. Vas-y, ça dégage, frérot. Ça, c'est quand on sera riche. Vas-y, moi j'achète la fleur rare, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est quoi ça? Mets-le là-bas. Ça doit être un. Voilà, c'est ça. Oh, comment t'as fait ça? Attends, mets-le là. Mets-le là. F. Vas-y. Oh, t'as déconné. Oh, t'as déconné. On aurait dû inverser. J'ai mis la plante, hein. Attends, je mets ça dans la cuisine. On a perdu 60 balles. Attends, en mettant la déco? Bah ouais, mec, hein, c'est comme ça. Non, en mettant la plante. Eh, t'as jeté les ballons là. Eh, frérot, les ballons, c'est gratos, hein. Ça pue sa mère, ça prend de la place inutilement. Non, regarde, je les mets là-haut. Ok. Frérot, la cuisine, elle est horrible, là, mec. Ouais, c'est mieux, là. Non, c'est mieux... C'est mieux blanc, dégage. C'est mieux bleu, vu que le sol, il est bleu. Putain, ça me casse les couilles. Allô? Fils de pute. C'est passé quoi? Ah ouais, ta cam. Eh, vas-y! Lightsplit. Activer l'intégration de serveur, Lightsplit. Oh! Il y a l'intégration Twitch. Peut-être passer en fenêtré, hein. Allô? Tu m'entends? Allô? Je t'entends, ouais. Putain, il faut que je débranche le truc de merde qui... Light split not connected. Attends. Allô? C'est bon, je t'entends. Bouge ton cul, s'il te plaît! Attends! Pourquoi t'es FK? Mec, Attends, il y a un truc là. C'est quoi? Hop là.
On a rien vu. Qu'est-ce qu'il y a? Frérot, t'as vu le truc en bas là? Quoi? Live split not connected, chat the server component is running on port. Je sais plus ce que j'ai cliqué où, mec, pour avoir ça. C'est l'intégration Twitch. Où j'ai cliqué où? Je sais pas. Je crois que je l'ai fait dans mon option. Avancer. Voilà. Mais c'est pas bien ça? J'en sais rien, frérot, mec. C'est quoi cette merde, la live split? Mec, ils sont cons, quoi, mec? Wesh, frérot, attends. Frérot, wesh, frérot. Quoi? Attends, ça m'a montré des trucs, frère. Moi aussi. Okay, mais c'est normal, tu vois mon écran, demeurer. Mais eux, ils voient pas, c'est bon, t'inquiète. Non, mais parce que j'ai caché la scène. Ah, t'es en stream? Oui. Oh, tu me pètes les couilles. Et là, t'as tout montré, là? Non, mais on l'a revu, parce que j'ai caché au... Mais mec, mets-toi en capture de jeu, pas en capture de fenêtre. Mais je suis en capture de fenêtre. Non! Capture de jeu, pas fenêtre, putain! Je suis en capture de jeu. Bah non! Si on voit ton écran, c'est qu'il y a une capture de fenêtre! Non, je suis en capture de jeu. Bah alors comment est-ce que tu streams mes affaires? Je sais pas, c'est le truc... Parce que t'es en capture de fenêtre, demeurez! Mais je suis en capture de jeu. De toute façon, j'ai cut et relancé au cas où. Voilà. Oh putain. Non mais frère, on a rien vu. Qu'est-ce que tu fous là? Faut pas faire comme ça le travail. Tais-toi, nulos! Prépare-toi. T'es prêt là? Parce que là c'est le moment où on meurt. Hein. Je te le dis, hein. C'est le moment où on meurt. Moi, la brosse, elle est cheatée en vrai. Hein. Bah, mec, si elle permet de faire la vaisselle plus rapidement, ça... après moi j'en ai pas besoin. Non. Moi j'ai mis prêt. Mais là, les tables, ils sont à 3 places. Ils sont pas à 4 places. Parce que t'as bloqué des chaises. J'en ai rien. Taille des groupes 1 à 2. Axian, appuie sur prêt, s'il te plaît. Bienvenue au Jamel. Apprends à lire, mec. Est-ce que... On fait quoi, là, avec cela? Tu fais quoi avec ça, là? Attends, c'est au cas où je dois poser un steak. J'ai de la... Vas-y, go. Ok. Mec, c'est ça, s'il y a de merde, ça va que dalle. Les assiettes là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mec, c'est toujours des trucs cuits là. Qu'est-ce que ça fait? Rien. C'est rien, on va barrer. Ça va plus vite là avec la brosse? Ah, tu la gardes en main? Ouais. Qu'est-ce qu'il demande l'autre? Pas de place moi pour stocker l'assiette. Hein. Mec, tu me mets une assiette, je t'encule. Tu m'as mis une assiette en plus, mec. Du coup, je peux pas la stocker. Stack normal. Ok. Ouais, je devrais mettre les deux ébiers ici. Hein. Il me faut l'autre stack, mec. C'est bon. Les diagonales vont me tuer. Vas-y, dépose ça. Action. Non mais l'autre évier il me le faut en fait, c'est tout simple. Donne-moi l'autre. T'es un con. Je suis obligé de déposer les assiettes là, hein, sinon on est mort. On est mort, mec, c'est fini.
On est mort. Tu t'es chié dessus, en plus, magnifique. De toute façon, il fallait mourir. Il fallait mourir pour qu'on ait des améliorations, je pense. Il fallait qu'on crève, mec. C'est comme ça. Il fallait qu'on crève, c'est sûr. C'était sûr. Donne-moi. Donne-moi plus. Que niveau 2 ? La salade comme principal. Attends, on a fait qu'un seul level. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Choix de plat supplémentaire. Ajoute un autre plat disponible. Nouvel élément de garage. Ok, bien. Bien. D'expérience. Retournez au siège pour débuter votre nouvelle affaire. Ok. Bon, hey mec, on est obligé de crever en vrai. On est obligé de crever, mec. Et on prend pas de, on prendrait pas deux noobs en plus. Comment on se tonxerait avec deux noobs? Je sais pas, frérot. Attends, c'est quoi qu'on a débloqué là? Plutôt que de perdre à détruire vie supplémentaire en cas d'urgence seulement à jeter après utilisation. Eh, franchement, mec, non, 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 vas-y, non, non, on l'active pas. En gros, je crois que c'est des bonus. C'est des bonus à mon avis. Tu sais? Que t'actives avant de lancer ton resto. Changement d'air. Attends, juste pour tester, je crois, on le met là. Non, tu le mets. Le mets pas ! Non, mais c'est juste pour tester, pour voir. Ok. C'est quoi d'autre qu'on a débloqué ? Recette ? Y'a rien. Compléter 15 jours. On était au quelième jour, là ? On était à 3 ? Mec, on fait quoi? On fait des salades? Viens, viens, déjà, on compare les deux restos. Viens, déjà, on compare les deux restos. Attends, va tester à faire des salades en haut, là. Viens, viens. Oh, t'as vu les salades? Oh non. Y a pas de cuisson, en vrai. Mais attends, mais c'est gratos. Ah, faut juste couper, mec. Dès qu'on a la planche à découper, on a gagné. Oh, on a gagné, mec. Dès qu'on a la planche à découper, on a gagné. Let's go. Pose la patate pour voir. Viens, 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 Nexon. Attends, attends, je vais juste voir. Viens, essaye l'autre là maintenant. Ou celui-là, il m'a l'air mieux là maintenant. Oh, celui-là. Attends, c'est exactement celui qu'on vient de faire. Ok, attends. Droite ou gauche, chat ? Moi, je pense que c'est le droite et il a l'air mieux. Hein. À 4, c'est plus dur ou pas, les gars ? Je crois plus on est, plus il y a de difficultés. Vas-y, go, on y va. Ok. Frérot, viens, on actionne. Là, là, on farm. Viens, on farm. Émincer le laitue, ajouter la tomate. Les recettes peuvent être affichées à tout moment. Donc là, mec, en gros, il y a des mecs qui vont demander soit une tomate simple, soit une tomate et une salade. Ok? C'est tout. Bureau de réservation. Parfois, il est bon de pré... Pour accélérer le temps. Non. Attends. Non, mais mec. Ça pue ça. Frérot, c'est au cas où on n'a pas de client, genre t'es un malade, toi. Moi, je vais le mettre. Mais c'est gratuit. Bah oui, je vais le mettre. Ok, attends, viens, on regarde comment on fait ici, là. Craft-le, craft-le. Oui, attends. Vas-y, fais-le, on s'en fout, mec. Viens, on regarde comment on fait, là, ici. Les groupes, c'est 1 et 2, donc des tables 4, ça sert à rien. Ok, moi, j'aurais fait tac. Clac. Regarde j'ai ça. J'ai qu'une table de travail, là. Attends, non, non, non. Non, non, regarde, t'en as deux ici, là. Mais laisse-les là, ici, là. Il faut qu'on joue là-dessus. Mais ouais, mais là, là, il y a les assiettes, frérot. Mais pas là, il y a la chaise. Tu vas te bloquer à chaque fois. Non, 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 regarde, tranquille. Boum, regarde. Boum, 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 boum. Comme ça, ok? Ensuite, toi, il faut bien que tu gères tes affaires là, là, ok? En gros, ce qu'il te faut, c'est vraiment une planche à découper. Pourquoi on n'a pas de truc pour laver les assiettes? Ça salit pas les assiettes. On n'a pas besoin de laver les assiettes. Mais si on a besoin de laver les assiettes, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, j'avais pas vu, t'avais l'évier. Quel con. Sale chien, j'ai même pas vu. Quel con. C'est vraiment le truc qui saoule en fait, c'est pour ça. Hein? Frère, moi je pense... Nickel. Clac, 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 clac. Ouais, c'est pas ultra opti. Est-ce que je fais ça comme ça? Viens renommer le restaurant. Non, attends, 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 frérot. Attends deux secondes. Il faut que j'opti là, mon secteur. Locke, tu es un chef d'entreprise. Tu dois recruter un sous-fifre pour faire la planche. C'est pas à toi de faire ça, mais t'es le meilleur. Mets-le là, mets-le là.
Non mais mec, tu fais un trajet beaucoup trop loin là. T'es un malade ou quoi? Là, comme ça. Et mec, on achètera une planche à découper. Ok. Ouais, ça il me les faut. Hein. Voilà, ça c'est obligatoire. Ok, moi je suis prêt. Moi je suis prêt, vas-y, viens, attends. Attends. Oh mec, le bureau de réservation, putain. Mais c'est quoi le bureau de réservation? À mon avis, je réponds d'hôtel, mec. Je réponds d'hôtel, à mon avis. Ça te casse les couilles. Vas-y, mets prêt. Ok, je te dis, on a perdu. Non, mais c'est le premier round, on peut pas perdre. Non, mais pose pas les assiettes là, j'ai pas de plan de travail, mec. Si, regarde là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais. Truc différent. Je fous de ma gueule. Tu fais de l'argent à chaque. Ah ouais, frérot. Pousse-toi, connard! Tu peux me donner une assiette? Qu'est-ce que tu fous? C'est une assiette sale. Frérot, va déposer ça, s'il te plaît. Non, il en faut deux. Il me faut une assiette. On est mort, accélère! Casse-toi du restaurant! Frérot, il fait nuit. C'est bon, je l'ai! Vas-y, va déposer ça. Prends l'assiette sale! Mec, il faut que tu m'aides en fait, tu branles rien, frère. Je pense qu'il faut que tu m'aides là. Je peux pas tout seul là. Je suis coincé. Mais. Eh, le pire plan de travail. Oh. Mais normal, va prendre la commande toi. Sert à quelque chose! Demeurez! On a le temps. Ok. Vas-y, envoie une assiette. Bonjour monsieur. Dégage voilà. De mon restaurant, connard! Réponds aux appels. Non, j'ai essayé, t'inquiète, j'ai essayé. C'est pour ça qu'on a pris le feu à... Ouais, ça marche pas. Waouh! Ok. Enfin, on a plus de pièces avec les steaks. On a eu plus de pièces que quand j'ai avec les steaks. Pied de plateau, productivité double. Ok, attends. Planche, j'ai la planche. J'ai la planche, mec. Voilà. Hop. Et là, tu vas pouvoir couper ici, la claque. Hein? Allô? Allô? L'avertissement à l'étage n'est pas bonne. C'est normal, il se fait down, là. 4 clients. Table à manger, vas-y, je m'en bats les couilles. Ta table à manger de merde. Assiettes. Les assiettes, c'est pas mal. Hein. Ok, je suis là. Tu fais daron? Non. Mec, j'ai acheté une planche à découper là, ici là. Là. Frérot, c'est pas bien si on met les clients là. Non, oublie. Oublie ce que tu vas me dire là. Oublie. Mec, sinon je cuisine là, je ramène comme ça. Ah non, c'est plus ça. J'ai rien dit. Frérot, il faut plus de tables. J'en ai pris une là, ça. Et c'est même une table à découper, mec, ça. Donc quand tu découpes sur cette table, mec, ça va méga vite. Jamais je découperai sur cette table. Voilà. Bah, fais ce que tu veux. Mec, productivité double. Outil plateau, peut porter deux objets à la fois. Oh putain, ça va direct dans le tiroir. Mec, moi je suis chaud pour prendre l'évier là. Ouais, c'est bien. Je prends l'évier, mec, ça m'aidera trop, mec. Ça m'aidera trop. Ok, moi je suis pas mal là. Attends, j'essaie de me faire un bon setup. Attends, sinon je te donne un évier, mec, et tu comme ça tu m'aides à faire la vaisselle.
Bah là, là. Voilà. Donne-moi la table. Non. Ok. Vas-y, je suis prêt. Putain, j'ai l'impression qu'il y a un... Je suis prêt. Mets-toi prêt, c'est bon. Ok. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, frérot. Oh là, je crois que je nous ai tués. Je nous ai tués, mec. Non, mais prends pas toutes les commandes. Attends. Mais j'ai juré, t'es trop con. Ta gueule. Envoie une assiette. Ok, ramène ça. Attends, pas coupe, maintenant. Coupe. Nickel. Ok, ramène ça. Giga Chad, mec. Bien vu la commande et tout. Hein. C'est bien là. Ok, tu peux mettre une assiette? Ok, vas-y, remets une assiette. Vas-y, ramène l'assiette de droite. Parle-moi bien. Horrible. Non mais ça nous fait pas gagner plus, tu sais, genre de faire la vaisselle ou de nettoyer le restaurant. Je me dis que nettoyer le restaurant, c'est quand même la base, mais, tu vois. Moi, je peux en pas fait, poser d'assiette. Attends, bureau de réservation, 12. J'ai gratté 12 dollars, mec. Oh. Oh là là, les salades. Bonus du nombre de joueurs, 6. Ah, donc on gagne plus d'argent, mec, à être à 2. Accélère.